J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera la vidéo Halloween. J'avais trop envie de tourner cette vidéo, j'espère que la petite introduction vous aura plu. Pour fêter Halloween, nous allons avoir besoin d'Halloween. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez une vidéo longue ou plus normale. Là, ils m'ont sorti des 40 minutes. Fais une vidéo de 40 minutes, il n'y a pas de souci les gars. Ça m'étonne que la vidéo dure 40 minutes parce que c'est long. Donc on va prendre le personnage de Charline. Donc voilà, alors oui, il y a le petit écran comme vous pouvez voir. Bref, si vous voyez ça, ça s'appelle mon classeur. C'est comme ça que je filme en hauteur. La tablette est ici, genre on la voit même. J'ai même pas remarqué, elle est là. Ma tablette est là, je suis là. Alors, nous sommes le 2 novembre. Oui, si on veut. Allez, réglez l'heure. Je sais pas, je vais mettre peut-être au 31. 31-10-2019, du coup. Ça tombe un jeudi Halloween. Tout à fait, ça tombe un jeudi. On va se mettre à 17h55. Ouais, 17h55, parce qu'Halloween commence à 18h. Et du coup, bah, c'est dans pas très longtemps. Tu vois. C'est le temps de se préparer. Mais je vais pas trop donner de bonbons, ni trop faire peur aux habitants. Ce n'est pas mon but. Mon but, moi, c'est de jouer au jeu et de tout gagner. Voilà. Et c'est tout. A savoir que j'ai déjà fêté Animal Crossing, fêté Halloween sur Animal Crossing en live, donc voilà. Mon dieu, je suis déjà toute prête. Désolée aussi si vous allez voir ma main, mais j'ai toujours un truc là ici qui me cale pour caler ma console. Bref, je me comprends. Alors, du coup, j'ai un petit peu peur. Ah, c'est quoi ça? Qui est cette chose? Oh, un moulin jaune! C'est beau les moulins. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh. Ah oui, effectivement, mes poches sont bien remplies. Du coup, ça, on va y mettre par terre. Je sais pas trop si c'est une bonne idée ce que je fais. Ensuite, ça, par terre. Je sais même pas ce que c'est une boîte à malice. Hop là. 17h57. Oh, plus que 3 minutes. Ah, ça fait un petit peu peur. Du coup, j'ai quand même prendre le bonbon ici. Alors, où est-ce que je pourrais me mettre? C'est quoi ça? Ah, cool, un masque fantôme. Je propose qu'on se mette ici et qu'on attende. Oh, oh mon... Ah, je m'attendais pas à ça! Par contre, les habitants, regardez comme ils vont vite. Ok, non, j'ai rien dit, il vient de me rattraper. Même pas peur, tiens. Oh, la petite musique que j'adore! Ok. Allez. On va se... Pierre, feuille, papier, ciseaux. Alors, à savoir qu'en live, quand j'avais fait ces Halloween en live, j'avais eu des idées complètement débiles. J'ai dit Carlos, par exemple, il est petit, donc il ressemble à du papier. Et c'est, par exemple, vu qu'il prenait papier, et ben moi je prenais ciseaux, et ça fonctionnait. Enfin, c'est ce genre de délire, mais des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc moi je vais prendre ciseaux. Vous voyez, j'ai encore raison. Enfin, vraiment, essayez d'avoir un raisonnement complètement débile, et vous verrez, ça fonctionne. Donc voilà, j'ai gagné. Enfin, je sais pas, j'ai des raisonnements complètement faux, mais l'idée est présente. Mais il regarde le sol, il est bizarre. On dirait qu'il regarde s'il y a des bonbons par terre. Reynald, il est trop beau. Allez, t'auras rien. J'aime bien jouer parce que, en fait, quand tu donnes les bonbons, c'est pas drôle. Enfin, pff. Ok, t'es partant pour un mime. Ok. Je vais mimer quelque chose tout en te donnant quelques indices à toi de deviner de quoi il s'agit. Sois bien attentive à mes mouvements. Surtout, tu es prête? Tout le monde te regarde et fait... Alors, tu es content? C'est à quelle occasion? Un spectacle? Ou quand tu chantes, enfin un truc où tu te montres pour moi? Tout le monde te regarde quand tu, par exemple, tu danses, tu chantes, tu vois, des choses comme ça. Panne d'oreiller? Ah non, gâteau brûlé, on va éviter. Remise des prix. Oui, c'est trop fort. Tout à fait, bravo, ouais. C'était compliqué. Ah, nickel, du coup, il me donne un bonbon. Ah, c'est trop génial. C'est moi qui te lance un défi. Alors, ici, on a Suzy. Suzy, vu que c'est un chat, elle a pas peur des insectes. Je pense que Suzy, elle a plus une tête à avoir peur des... Peut-être des fantômes, hein. Je sais pas. Parce que je veux pas tricher pour ce Halloween, parce que d'habitude, j'ai l'habitude de tricher. Voilà. Allez, c'est parti! Alors, Suzy.
Dis-moi que tu as peur. Super, yes, génial. On va jouer au mime. Oh, j'adore ce jeu. Avant de rentrer, on a froid. Mais une fois qu'on se sent bien, c'est où? Peut-être un sauna? Peut-être quelque chose de chauffé? Peut-être un chalet ou un truc comme ça? Avant de rentrer, on a froid. Une couverture? Non, pas une couverture, c'est plus un endroit. Dentiste. Ah, une fois dedans, on... Non, c'est pas le dentiste, parce que le dentiste, tu te sens pas bien tout le long. Une forêt. Bah, un ciné. Un spa, mais je suis bête, pourquoi j'ai hésité? Bah oui, c'est un spa. Voilà, tous les gens qui allaient dire dentiste, non, non. Ok, bon bah du coup j'ai géré. Oh, je suis pas trop mignonne comme ça avec le petit masque de fantôme. Le masque de fantôme, je trouve qu'avec les yeux que j'ai, ça fait trop mignon dans le jeu. Enfin, c'est trop... Je ne suis pas d'accord. Oh, citrouille rose. Je pense que cette citrouille rose, ça pourrait bien être... Non, pas étoile. J'ai Simon. Oh mince, Simon, un ménager. Marty. Oh non, pour moi, Marty, vu qu'il est jaune, il a une citrouille orange ou jaune, mais pas comme ça. Non, t'auras pas de friandise, en fait. Non. Allez. Puisque c'est comme ça, si tu gagnes, je te donnerai une friandise. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Alors, Marty, vu qu'il est gros, ça ressemble à de la pierre. Le papier, du coup, ça sera. Papier. Regardez, j'ai des raisonnements complètement bêtes, mais j'ai géré. Non, mais je vous promets, les gars, ayez des raisonnements aussi bêtes et ça fonctionne. Aussi, j'ai les poches remplies, du coup, ils vont pas me donner plus de bonbons. Du coup, il me semble que j'ai remporté 3 manches, donc 3 bonbons. Parce que du coup, j'en avais un trop et j'avais plus de place dans mes poches. Donc, à partir de maintenant, j'ai compté le nombre de bonbons que j'ai gagné. Donc, j'avais déjà plus de bonbons, que du coup, c'est pour ça que j'avais plus de place. Donc, je me suis gardé 3 bonbons parce que j'ai gagné 3 fois. Il me semble à moins que ce soit 4 et ça serait un peu bête. Ah tiens. Ah mais Simon. Simon, je sais pas, les singes, ils ont peur de quoi des... Allez. Oui. Yes. Ok. On va jouer à pierre, papier, ciseaux. Ah la... J'ai trop peur. Shifumi. Du coup, Simon, attends. Vous voyez, Simon, au-dessus, il y a une sorte de petite crête. Et je me dis, on peut la couper, donc je vais prendre le ciseau. Non. Ciseau. Yes! Ah, mais comment je gère? Allez, donne-moi ma friandise, toi, plutôt, au lieu de parler. Je suis à 4 bonbons, yes! Wow, c'était un peu chaud, celui-là, parce que quand je vois que j'ai fait égalité, j'étais... Ouais. Oh, c'est qui? Étoile? Étoile, oui, effectivement. Tu peux courir, vas-y, tu peux courir. T'as cru que j'allais te donner un de mes bonbons? T'es malade. Si tu gagnes... Ah ok, le jeu des mimes, c'est le jeu le plus simple, on va pas se mentir. Et ça fait déjà 14 minutes que je filme. Oh, je vais essayer de te faire deviner quelque chose en le mimant. On l'utilise quand on a froid, tout de suite on se sent mieux. Un chocolat chaud, des choses comme ça. Peut-être une boisson chaude. Je pense, hein, parce que quand même... Un ordinateur, non. Un radiateur, parce qu'un chronomètre... Donne-moi le bonbon. Oh mon dieu, c'est pas Mister Jaco ça? Eh oui, c'est Mister Jaco. Mon loyal sujet, as-tu rempli ta mission? M'as-tu rapporté... Rapporté quoi? Faut que je donne quoi en fait? Non, mais t'es malade toi! Attendez, instant miniature les gars. Et voilà! Par contre, j'ai. Mais étoile, je viens de te voir à l'instant! Bah tu peux courir! Non mais ces gens sont malades, ils ont cru comme quoi j'allais leur donner des sucreries. Tu te sens un peu mal, genre t'es fatigué. Bois-moi une boisson énergisante, un truc comme ça. Un lait chaud, non, une verveine. Un jus d'orange! C'est des vitamines. Voilà, donne-moi ça, c'est mieux. Voilà, t'as tout compris. Étoile, elle est pas bête, elle me donne tout. Où est-ce que je pourrais aller? J'ai pas fait toutes les maisons, il me semble. Il manque la maison du haut, c'est la maison de... Chico. Chico, je crois que c'est un petit hamster très très moche. C'est écrit quoi? Parti à une séance de dédicace. Oh non, pas ça. Parce que du coup, ils sont obligés d'être tous dans la ville, je pense.
il y a eu un bruit de... Oh, merci beaucoup. Aussi, quand j'avais fait live, vous avez écrit des petits messages pour moi. C'est trop mignon. Merci. Je sais pas du tout où est-ce que je pourrais aller. N'hésitez pas aussi à visiter ma ville. Le code onirique s'affiche à l'écran. Je ne sais pas quel écran. Ah, là, il y en a deux. Toi, le monsieur vert. Vas-y. Ah bah voilà, Chico. Ah, oh, j'ai trop peur. Je sais pas, je le sens mal, lui. Je prends le risque. Allez. Tu cherches des friandises, non? Mais je gagne... Ok, si je gagne en majuscule. Ok. Ok, donc faut que j'ai un raisonnement complètement débile. Alors, Chico, il est petit. Tout ce qui est petit, donc pierre, on enlève. C'est, ça se joue entre le ciseau et le papier. Il est petit, il est fin comme un papier. Ça veut rien dire, il n'y a aucune logique. Vu qu'il va prendre papier, je vais prendre ciseau. Oh cool, il me donne ma friandise, mais pourquoi? Je comprends pas, on a fait égalité, il me donne. Adieu, adieu ma friandise. Bye bye. Oh, quand même. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Est-ce qu'on peut... On peut jouer comme ça, je suis choquée. Je pensais pas, je me suis dit quand même, il y a un buisson, il y a un arbre devant. Mais même pas peur, Carlos. T'es un malade. Allez. Ok. Oh. Oh non, pas le parfait papier ciseau. Alors, Carlos, je sais pas, Carlos et Chico, ils sont petits tous les deux. Donc, pierre sûr. Ça joue entre papier et ciseau. Papier, du coup, papier. Ah, on l'a refait. Non, mais sérieux, l'autre, il était pas d'accord. Je reprends papier. Bon. Bien fait. Oh, je fais que de gagner, là, depuis le début. Quoi, tu me... Oh, mince. J'ai trop de friandises. Bon, bah, du coup, il faut que j'aille en regagner une. En fait, je vous ai expliqué les règles du jeu. Non! Oh mon dieu, ça fait presque 20 minutes que je tourne, il me reste 30 secondes. Je vais vous expliquer pourquoi après. Marty est gros, Marty est gros, du coup, ça sera du papier. Voilà, oh punaise, je suis trop forte. Alors, du coup, je vais vous compter le nombre de bonbons que j'ai sans que je me prenne le moindre habitant. Toi, surtout pas, je vais pas vous voir. Ça... Oh dieu, non! Ne me suis pas, toi, je te vois. On va se mettre dans un endroit abrité du style la gare. Et voilà, 20 minutes que je tourne. Bon, bien sûr, il y a eu des cuts entre-temps, donc pour vous, ça ne sera pas 20 minutes, mais moi, je vois 20 minutes à mon écran. Donc, alors, le nombre de bonbons s'affiche à l'écran. Du coup, je vais vous expliquer. J'ai 9 bonbons, et si on arrondit, j'ai 10 minutes. Du coup, vu que j'ai 10 bonbons, vous allez vous dire, mais où est-ce qu'elle va aller? Parce que moi-même, j'ai eu l'idée dans ma tête, là, en train de jouer. On va aller au salon des tentes. Mais que faire, dis donc, mon petit et ma petite Jamie. Du coup, je reviens, on va se faire une petite ellipse de type temporel. Bonjour, du coup, nous revoilà actuellement dans la ville de Eika. J'avais fait la visite il y a 2 ans. Eh, ça date, la vidéo, vous avez grave plu et tout, parce que c'était Halloween, genre mood Halloween. Du coup, là, actuellement, je vais mettre le chronomètre. Je sais pas du tout s'il va être à l'écran. Je vais devoir visiter la ville en 10 minutes. Mais avant, je comprends pas, c'est une nouvelle mise à jour. Avant, il y avait plein de fleurs. Pour les vrais, s'en souviennent, il y avait plein de yeux là, je sais même plus. Ils ont fait une mise à jour Nefertiti. Waouh, tu sais pas c'est quoi. Mais je crois qu'avant, enfin à moins que ce soit dans l'ancienne ville, parce que du coup il y a eu 2 villes avec la mise à jour Welcome Eibo. Oh mon dieu, j'ai vraiment des frissons, sans déconner. Je sais pas ce que tu... Du coup, pour ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire, je vais faire d'après ce que je me souviens. Eika a fêté son anniversaire, voilà, happy birthday, ça on a compris. Il y a un petit cadeau. Quel est donc ce cadeau? Et à l'état, je sais pas. Du coup, Eika vivait sa vie de bébé, enfin, tu vois, genre, tranquille, petit enfant, ses petits dessins et tout. On s'en souvient bien, la très chère poupée. Quelque chose nous dira que ça s'est très bien fini à la fin. Oh, oh, cette musique, je vais... Attendez, il y a une maison là-haut. Mais il y a même plus de fleurs, à moins que je me souvienne que de l'ancienne mise à jour, mais avant, il y avait des fleurs.
Oh, c'est pas rassurant quand ça fait tout tout. Ok. Il n'y a pas de musique. T'as le gars qui est habillé très bizarre. Plus la poupée Ikea, mais je valide. Je sais pas du tout si la ville est hackée, mais c'est pas trop le sujet de la vidéo. Là, faudra peut-être que je me grouille. Le code onirique, normalement, il est sur le layout. Enfin, tu vois, tu connais les bails. Enfin, c'est pas que j'ai peur, mais ça me fait des frissons, genre se dire que... Oh, écoutez juste cette musique. Bon, du coup, on entend le bruit de la rivière. Génial. Oh mon dieu, pas ça. Ce labyrinthe, je m'en souviens, c'était il y a 2 ans. Je sais... Hein? Les gars, attendez. Je vais vous faire part de ce que je pense. Vous voyez cette rangée de buissons? On dirait plus que ça fait un énorme point d'interrogation. Genre, ici, on a le début du point d'interrogation. Non, mais je déconne pas. Après, c'est peut-être mon imagination qui me joue des tours, mais... Ah! Tiens, on va visiter ta maison, toi. Ah bah, du coup, c'était Clara. Néferti. Oh mon dieu, pas ça. Non, 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 petit. Oui. Allez, on va te visiter. Mon dieu. Ah. Ce bruit de tout, tout. Comme ça, c'est... Non. Eh, mais ça passe beaucoup trop vite, par contre, les minutes. Il me reste... genre, 3 minutes, un truc comme ça. Enfin, j'ai fait 3 minutes, pardon. Oh non, mais stop, le... Non. Ça, c'est le petit cimetière qui te met grave dans l'ambiance. Pépite. Le poste de police, très bon choix. J'aime bien ce poste de police parce que les autres prennent tous celui en bois et j'aime pas celui en bois. Ah, je suis pas très rassurée de dire en bois. Je m'en souviens, j'avais fait une parodie à SNL là-dedans. Voilà, je me souviens juste de ça. Déjà, là, cette musique, elle met plus dans l'ambiance. Enfin, là, il y a plus de style. Mais c'est pas du tout rassurant, enfin, non. Cette ville, elle fait pas peur, mais elle est pas rassurante, on va dire. C'est la maison de qui? Ah, il me semble qu'on dirait trop la maison d'un oiseau. Je sais pas trop si c'est l'oiseau marron, que je ne sais absolument pas le nom. Je sais pas du tout si c'est ça. Non, c'est... Mais Néfer... Attendez, les gars, il faut que je remette l'extrait, j'en suis sûre. Il y a 2 minutes, même pas 1 minute, j'ai croisé Néferti dehors. Là, elle est déjà rentrée. Néferti, oh mon dieu, pas ça, non. Je veux juste qu'on parle de ce chat. Mais... Vous voyez bien. Ils sont possédés aussi, les habitants. Je croise Néferti, 10 secondes plus tard. Ah bah super, coucou Eka, je t'aime. Oh non, pas ça. Mais tout à fait. Attendez, bon, du coup, j'ai pas tout visité en entier, pardon. Les panneaux nous montrent là-bas. Genre, il faut aller là-bas. Je sais pas si on aura la même direction vu que bah, ça filme dans mode portrait. Enfin, bref, je me comprends. Oh, mais stop cette musique! Ok, toi t'as bouffé un radis périmé, ça se voit. Et ouais, super, il y a une grosse ambiance, ils prennent leur goûter. Par contre, toi t'as un peu oublié, je crois. Ah, mais non, je viens de comprendre, c'est Eika. Enfin, ça, je sais pas si ça représente genre sa poupée avec d'autres poupées ou ça représente ses camarades. Ouais, on va dire qu'Eika, c'est pas trop ça en ce moment. Mais il y a des... Je comprends rien. La musique s'interrompt. Non. Oula, il me reste encore 3 minutes. Enfin non, 4 minutes, pardon. Approximatif 4 minutes. Mais ça fait pas du tout rassurant. Enfin, moi je sais pas vous. Oh, Axel, j'aime trop cet habitant. Eh, hey, il faut se calmer avec vos délires de poupées là, c'est bon. Hey, Ikea, tu te calmes. What? Attendez, regardez juste derrière ton pull. C'est la tête d'Ikea. Allez, non, on se casse, non, on respecte rien. Je veux juste qu'on aille voir la dernière maison. Parce que... ça me rappelle... Ça, c'est Ikea dernière maison. Oh my god. Tout va bien. Alors, du coup, vu que j'ai un peu... pour être dans les temps, bien sûr, il me reste actuellement 2 minutes. En gros, là, après, Ikea, ça allait pas trop bien dans sa vie, il me semble.
Et au tout début, dans la première maison, je vous avais fait voir, on pouvait pas voir ce qu'il y avait derrière. Mais je me souviens qu'avec le hack, une personne m'avait dit comme quoi, et bah derrière ce meuble... Ok. Derrière ce meuble, bah, y avait des toilettes, j'ai pas compris. Oui? Ah, je me souvenais pas de ça. Je me souviens, c'était ici que j'avais fait la miniature. Non, c'est bon. Et en gros, vous savez pourquoi elle est en tôle maintenant? Parce qu'elle a tué ses parents. Yes! Attendez, on va se faire une petite... Hop là! Ah, mais c'est une ambiance. C'est un petit mood. Oh, il me reste encore une minute. Et la télé va très mal. Mon dieu. Ah, cette musique, les gars, on ne met pas ce genre de musique. Et du coup, comme on peut bien le voir, eh bah, y a... Ah bah, ce pote, non. Ah bah, non. Aika poupée et Aika la madame, et bah, genre... je crois qu'elles se sont mis à deux et qu'elles se sont fait plaisir. Et bah, du coup, voilà, 10 minutes, yes. C'était les 10 minutes pour visiter la ville très très brièvement. Juste pour se mettre un peu dans l'ambiance Halloween, c'est pas forcément genre une visite ultra détaillée, parce que oui, j'ai loupé plein de trucs, mais juste pour qu'on se mette en tête, bah, Aika, à quel point c'est une belle ambiance. On peut voir ici, il y a plein de déchets et tout, sachant que vers la place, il n'y en avait pas, genre, c'était tout propre. Et du côté de la maison de Roscoe non plus, enfin, c'était tout propre. Et attendez, vous voyez, genre, au fur et à mesure, là, les buissons représentent un peu, genre, là, quand ça part un peu en... steak, on va dire. Par contre, juste aussi qu'on parle de revente et retouche. Oh, pardon. J'ai eu un bug. De revente et retouche. Alors, revente et retouche. Temporairement fermé pour toujours. Temporairement. Genre, temporairement, c'est pas jusqu'à la fin. Là, c'est jusqu'à la fin. Enfin, ils s'auto-contredisent. Temporairement fermé pour toujours. Non. La mairie. Je sais pas s'il y a écrit le même message pour la mairie. C'est quoi? Un bonnet de nuit rose. Eh bien, super. Ah, mais ces buissons, ils sont trop mal mis. La mairie sera fermée aujourd'hui. Merci de votre compréhension. La mairie de Aika Village. Sur ce, on va se mater la petite histoire de la ville. Mon dieu, je sais pas du tout. Parce que je crois qu'on aura l'histoire de la ville. Je sais pas quand est-ce que la dernière fois elle a été mise à jour en onirique. Ah, il n'y a pas de... Ok, ville de... potentiellement Aika Village. Mère Aika. Non, je pense que c'est Aika, 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 Aika. Neferchi, Roscoe, Pierrot, Faustine, Clara, Axel, Truffa, Pietro, Lico, Drago. Je veux juste qu'on parle du fait qu'il n'y a que des O en garçon, je crois, à peu près. 17 novembre 2012. Oh mon dieu. 2012. Mais nous, Animal Crossing, il est sorti en 2012. Nous, il est sorti en juin, le 13 ou 14, un truc comme ça. Moi, personnellement, j'ai eu Animal Crossing le 14 juin. 22 janvier. Genre, on voit bien que c'est une ville complètement normale. Genre, elle se développe normalement. Neferti depuis 2012. Waouh, Club Vendéer. What? Inauguration de l'espace jardinage 2012. Oh, les gars, 2012, c'était il y a belle lurette. Hein, c'était il y a 7 ans. 25 décembre, oh, jour de Noël, Roscoe en ménage, Lico. Mais d'accord que les garçons, ça termine tout par O. Faustine en ménage, 2013. Ensuite, il y a eu une grande pause genre entre mars et juin. 2045 ? 2050 ? J'ai peut-être loupé des épisodes. En gros, la ville là, elle est en 2050. On passe de 2045 à 2050 quand même. On a quand même passé aussi de 2013 à 2045. 25 décembre encore. Avant c'était Lico. Visiteurs. Ah, 225 visiteurs, mais pas en onirique. Parce qu'en onirique, waouh, tu dois en avoir des milliers sans déconner. Là, en nombre de visiteurs qui sont venus dans sa ville via la gare. Nintendo est l'auteur de ce logiciel au regard du droit d'auteur. Tout droit réservé. Copyright 2012-2016. Et je me suis toujours demandé en fait pourquoi il marque une date entre 2012 et 2016. 2012 c'est quand est-ce que le jeu est sorti je crois. Et 2016
Pourquoi? Parce que genre c'est la date d'opération du jeu, limite genre après 2016 c'est périmé, nous on est en 2019, on joue encore. Les patterns sont d'une qualité exceptionnelle. Une petite couleur assez chatoyante à l'œil. Ah j'ai fait un rêve génial, c'était d'une qualité. Tranquillement dans le lit. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo, enfin du moins cette grande vidéo, parce que ça fait 45 minutes que je filme. Yes, je bats des records et la 20 minutes. Oh mon dieu, c'était une belle ambiance. J'ai bien aimé. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à peut-être liker, à peut-être t'abonner. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis ciao tout le monde. C'était de l'art contemporain. C'était Shine Chiris. Bisous, bisous.